Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans une correspondance datée et signée du 29 avril dernier, le directeur Afrique et Océan Indien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères répond à Maurice Kamto au sujet de l'audience de Paul Biya à Christophe Guillou. En fait, suite à sa rencontre avec Christophe Guillou, ambassadeur de France au Cameroun, Maurice Kamto a adressé une lettre de 3 pages à Jean-Yves Le Drian pour protester contre le comportement de l'ambassadeur de France qu'il accusait de s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Après la réception de la lettre de Maurice Kamto, Jean-Yves Le Drian a coté le dossier à René Marichaud qui fait office du monsieur Afrique du Quai d'Orsay. Ce dernier a effectivement étudié la lettre de Maurice Kamto. Le Quai d'Orsay confirme la rencontre entre l'ambassadeur de France et Paul Biya et affirme qu'il n'y a pas d'ingérence. Dans cette correspondance, on peut lire ce qui suit, je cite. Monsieur Christophe Guillou a sollicité conformément aux instructions qu'il a reçues une audience au président Biya pour assurer le suivi de l'entretien téléphonique que les chefs d'État français et camerounais ont eu le 1er mars dernier. Vous connaissez le contexte de cet entretien et l'importance que le président Macron accorde au suivi des échanges qu'il a pu avoir avec le président Biya. Cette mission est au cœur de l'activité de tout ambassadeur. De tels entretiens lui sont par ailleurs régulièrement par le chef de l'État en sa qualité de représentant à Yaoundé d'un pays qui entretient avec le Cameroun des liens d'amitié forts et anciennes. Signé, Rémi Maréchaux. Maurice Kamto, devenu le roi des fake news, avait alors annoncé la mort du président Paul Biya et constaté la vacance du pouvoir. Comment comprendre ce mensonge que Maurice Kamto et Franklin Niamsi entretiennent autour de la mort imaginaire de son Excellence Paul Biya? Que cache ce gros mensonge? Écoutons maintenant le décryptage de la situation pour mieux comprendre. Écoutons. Donc quand vous me voyez en ligne, sachez que Kamto a encore posé un faux cop terrible. Hein? Kamto a encore posé un faux cop terrible. Donc, voilà. Donc, là maintenant, on va commencer avec un bon petit remember. Un bon petit remember. Parce que si on ne fait pas le remember, il y a de fortes probabilités que les gens ne maîtrisent pas. Vous vous rappelez? Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Contribution de la France et du G20 contre le coronavirus. L'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guillou, était reçu par le président de la République ce jeudi au Palais de l'Unité. Éclairage sur le moratoire du service de la dette du Cameroun, c'est à suivre en tête de ce journal. Contribution du Cameroun à l'éducation des jeunes. Voilà. Ça, ce sont les titres de la CIATI. L'important tête à tête. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, et l'ambassadeur. Non! Oh! Pardonnez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh putain! Oh, je suis idiot. J'ai commencé la série à la saison 3. Ah non, non, à l'épisode 3. Oh non! Vous allez vous égarer. Mettons l'épisode 1. Comment je peux être idiot comme ça, dis donc? Mettons l'épisode 1. Hein? Vous vous souvenez de l'épisode 1? Je suis convaincu que vous avez oublié. Hein? Je suis convaincu que vous avez oublié l'épisode 1. Hein? Allez, on met notre série. Merci. Épisode 1. J'aimerais demander à mon stratège Roméo qui est là. Oui. Vous vous souvenez? Parce que ce soir, il faut quand même que l'os dévoile. Oh mon, attends. Mais j'ai mis le t-shirt, le général Barassin. Attendez. Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour écouter tout ce que. Mais on s'en fout. Nous ne sommes pas là pour écouter tout ce que papa. Pas caca. Alors là, pendant que nous sommes en train de prouver que nous du Messie, nous, 4 personnes ici, on cherche à s'évader. Oh. Pourquoi pensez-vous? L'épisode 1, c'est quand Pakaka commence à annoncer la mort. Attendez d'abord. Je vais vous le montrer. Et des sorties comme... Parce que ça doit être clair. Oh, Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Voilà. Voilà. Oui, Popol est mort. Je voilà. Vais vous donner les noms. Alors, je vous dis de façon solennelle ce oui. Soir. Monsieur Biabi Vondo est décédé. Ça, c'est l'épisode 1. À Yaoundé.
Monsieur Mbiabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ça, c'est quand Pakaka est en train de faire son live. Ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Le mangeur de caca. Ça, c'est l'épisode 1. Il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver Monsieur Biabi. Vous vous souvenez, ça, c'est l'épisode 1. Monsieur Biabindo. Ils ont parce qu'il faut pas oublier un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on pouvait pas sauver Monsieur Biabi Vondo, Monsieur de médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma. En voilà. On va pas continuer. Voilà. On va pas continuer à le regarder parce que quand le gars là parle, c'est comme si les cacas vont sortir de sa bouche et ça tombe. Bah. Ça me rappelle seulement la vidéo que l'autre... Bon, on va pas rester regardé par caca. Mais en tout cas, le plus important dans l'épisode 1 de notre série, c'est ceci. Ce soir, Monsieur Biabi Vondo est décédé. Voilà, ça, c'est le plus important de l'épisode 1. Quand le gars sort, Monsieur Biabi Vondo est décédé, les cacas sortent, ça tape sur le téléphone. Mais bon, on nous appelle. Oh non, gars, c'est comment, c'est vrai l'histoire là, machin, comme des trucs. Mais non, le pâté est calme. Il est en train de vaquer à ses occupations. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui ne va même pas? Calmez-vous. Épisode 1. Épisode 2. Il y a un communiqué de presse qui rassure. D'abord, c'était le communiqué de presse de, je pense, du ministre de la Communication. Oui, c'est une sortie du ministre de la Communication qui rassure les Camerounais et fait comprendre aux Camerounais que le président de la République va très bien. Il va à ses occupations. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas du tout mort. Ça, c'est l'épisode 2. Vers la fin de l'épisode 2, on a une costaude lettre du président du bureau de communication, en fait, du RDPC, hein, dans le directoire de communication du RDPC, qui est géré par le ministre Akamou Fumou. Non, Jacques Famen de Ngo, tape ma bouche, sorry. Jacques Famen de Ngo, le ministre Jacques Famen de Ngo écrit et rassure tout le monde que le président de la République n'est pas du tout mort. Bonsoir, Védric. Il rassure tout le monde. Calmez-vous, le président n'est pas mort. Ça, c'est l'épisode 2. Pendant ce temps, les talibans commencent à crier. Wow, 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 bien mort. Venez ici, les gens dansent. On voit les gens crier et danser par rapport à la mort, entre guillemets, de quelqu'un, d'un homme, d'un père, d'un Camerounais, d'un Africain. Oh non, il est mort, machin, comme bêtise. Pendant ce temps, quand tu es en train de s'essuyer les mains, il dit que hey, le gars en train de faire les je vous salue Marie. Le gars prie, quand tu pries que ça doit être vrai, que Biabi est vraiment mort. Ah, Dieu, la politique est devenue la sorcellerie, mon frère. Est-ce que la politique est devenue la sorcellerie? C'est comme si tu voyais le candidat démocrate aux États-Unis qui est en train de prier que Trump doit mourir. Gars! Ou quand il y avait les élections en France, tu voyais Macron en train de prier que l'autre candidat doit mourir. Gars, mais mon ami, attendez! Calmons-nous! La politique, ce n'est pas la sorcellerie! La politique, c'est quelque chose de calme. Voilà. Pendant ce temps, Pakaka, qu'on appelait Pasabo avant, celui qui mangeait les cacas des femmes, il criait que notre président est mort. Ça a beaucoup fait jaser. Il y a même eu des journaux qui ont écrit. Rappelez-vous, mes frères, parce que j'ai bien l'impression que parfois on oublie. Parce qu'on est, nous sommes tellement dans des combats à gauche et à droite parce que les gars, s'ils peuvent nous tuer avec des innovations. Quand ce n'est pas coup de poing, c'est assaut. Quand ce n'est pas assaut, c'est toujours final. Donc, parfois, on oublie. À côté de ça, quand le président a vu que non,
L'histoire faisait déjà tellement jaser. Le gars nous sort alors un courant. On appelle déjà le courant là que le courant tais-toi. Le gars nous sort la visite. Son Excellence Christophe Guillot. Les deux personnalités ont magnifié l'excellence de la relation entre Paris et Yaoundé. En bonne place dans cet entretien, le soutien de Paris pour un moratoire du service de la dette du Cameroun et son accompagnement dans la gestion de la grave crise sanitaire en cours. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mouzo. Au Palais de l'Unité, voilà l'ambassadeur qui arrive. Et sur l'audience du président de la République, Paul Biya, ce jeudi 16 avril 2020, un rendez-vous avec l'ambassadeur de la République française en République du Cameroun, son Excellence Christophe Guillot. L'audience que le président Biya accorde ce 16 avril 2020 aux diplomates français participe de l'exercice quotidien du magistère que le peuple souverain lui a renouvelé le 7 octobre 2018 à la faveur de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Seulement, intervenant dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, cette crise va naturellement imposer de nouvelles attitudes dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires. Précédé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vaudoyulo, son Excellence Guillot est introduit auprès du chef de l'État par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikile. Son Excellence Christophe Guillot, ambassadeur de France. Bonjour, le président. Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Paul Biya, ayop. La chicotte des talibans. Yeah. Bonsoir Didier Leba. Au-delà des vicissitudes du quotidien, reste très étroit. À l'issue d'une soixantaine de... Paul Biya, ayop, ayop. Continue à partager parce que ça, ce sont les épisodes d'un film. J'ai retrouvé le président Biya qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois. Donc toujours alerte, nous avons une très longue discussion. Continuons à partager. Donc, rappeler, et on doit jouir de nos jouissances. Mentionné par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord, d'un point de vue budgétaire, financier. Le moratoire sur la dette, sur le remboursement. De voilà la... Vous voyez, ça, on a vu cet épisode-ci. Quand nous sommes venus, nous étions contents, nous étions ravis, nous étions fiers. Pour certaines personnes qui doutaient tellement, ils étaient fiers que yeah, notre père a chicoté. Pour d'autres qui maîtrisent que le pater était là depuis, qu'il n'a pas de soucis, il va qu'à ses occupations, il n'a pas de problème, il a décidé de recevoir l'ambassadeur. Nous étions plutôt calmes. Mais, comme notre sport favori, c'est de chicoter les talibans. Hein? Voilà. Donc, nous étions là. Moi, j'ai fait le direct pour rigoler et me marrer, tomber des nues. L'épisode 5. Les talibans ne s'arrêtent pas. Les talibans ne s'avouent pas vaincus. Les talibans entrent dans la manigance. Les talibans entrent dans la réflexion et ils engagent que la vidéo, c'est un montage. Ils disent que la vidéo, c'est un montage. C'est comme ça que notre compatriote dans SATV, sais-je, les fait comprendre que chaque vidéo, parce que ça ne passe pas en direct, c'est un montage. Mais peut-être que vous voulez parler de trucage. Mais bon, on ne s'arrête pas sur les paroles. Il voulait dire que la vidéo, ce n'est pas une bonne vidéo. Que le président, ce n'est pas le président. Alors, dans cette histoire, les gars commencent à conspirer. Ils commencent à expliquer. Mais alors, arrêtons-nous d'abord là, j'ai oublié quelque chose. Vous vous souvenez du gars qu'on appelle Franklin Nyamsi? Quand il écrit Franklin Nyamsi wa Cameroun. Hein? Voilà. Voilà Franklin Nyamsi wa Cameroun qui était dans sa voiture. On n'arrive même pas à trouver le direct là. Je suis encore en train de chercher ce direct partout.
Dans sa voiture qui Paul bien mort, machin con bêtise. Mais alors, il ne s'arrête pas à ce niveau. Quand le président sort comme si, Franklin Yamsi wa Cameroun, le gars, il sort alors son direct du siècle. Attendez, s'il vous plaît, ça c'est la publicité. Moi, je ne fais pas pousser, mais paye pas. Voilà. Voilà Franklin Yamsi wa Cameroun. Chers amis, je vous salue. Nous sommes le vendredi 8 mai 2020 au soir et je voudrais faire le point avec nos amis pétitionnaires de l'évolution de l'initiative de mobilisation. Il est en train de vite avancer. Comment le gars peut courir comme ça? En tout cas, ça c'est le direct où le gars nous dit la vidéo c'est un fake. J'arrive, pardon, parce qu'il allait dire quelque chose là maintenant, comment il voulait dire après. Donc, on ne peut pas que tu me tues le film. Le gars dit que la vidéo c'est un fake. Alors, comme la vidéo c'est un fake, ça sous-entend que l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un acteur. Franklin Nyamsi, dans sa philosophie, l'agrégé de philosophie, dans sa connaissance de la géopolitique, est devenu un cinéaste, un réalisateur qui réussit à voir les fake à distance. Mais bon, on ne s'arrête pas là, mon frère. Les Camerounais ont beaucoup de talent, ça c'est. Comment? Je ne vais pas quand même insulter le talent de Franklin Yamsi. Franklin Yamsi a décrypté la vidéo. Il a commencé à dire en disant que la démarche là, ce n'est pas la démarche du chef de l'État. Franklin Yamsi, c'est l'ami du président, mon frère. Comment il peut faire pour remarquer même la démarche du chef de l'État? Franklin ne s'arrête pas là. Il dit que non. Ça, c'est une visite qu'il avait eu des mois auparavant. Mais le président avait un habit, une veste un peu plus sombre. Donc, cette fois-ci, on a seulement blanchi la veste du président dans la vidéo et on a superposé les images. Ça, c'est notre grand Franklin Yamsi. Oh, Dieu. Après, il dit, regardez bien, le masque même de l'ambassadeur, ce n'est pas vraiment son masque. On a seulement pris un truc comme ça, on a collé sur son visage. Pendant ce temps, mes chers frères et sœurs, quand tout est en train de se passer, Kamto regarde Facebook en faux profil. C'est ça la vérité. Kamto regardait tout ça en faux profil. Pourquoi en faux profil? Parce qu'il pense qu'on était à son profil. Normalement, on va vite le reconnaître. Donc, le gars était en faux profil. Donc, quand il voit les décryptages de Franklin Yamsi, comme tu es allé jusqu'à croire à ce que Franklin Yamsi disait, ça c'était très grave. Ça devenait vraiment terrible. Mais bon, on ne s'arrête pas à ce niveau, on continue. Franklin Yamsi, il est franchement énervé. Il est sur la vie de sa mère, il est franchement fâché. Il dit qu'il ne peut pas accepter cela. Alors, Franklin Yamsi décide de lancer une pétition. Franklin. Ça, c'est l'épisode 6. Franklin Yamsi, oui, j'accepte. Insultez mon effet, ce que vous voulez. C'est dans votre cerveau que ça rentre aujourd'hui. Franklin Yamsi nous lance une pétition. Il dit, mes frères, allez, signez la pétition. J'ai créé une pétition. On doit lancer le maximum de signatures. L'objet de la pétition, c'est de porter plainte à l'ambassadeur français. Parce qu'on l'a envoyé pour être diplomate au Cameroun, il s'est transformé en acteur. Ça, c'est Franklin Yamsi. Donc, il dit, Pobia est vraiment mort. Et maintenant, le gouvernement de Yaoundé prend l'ambassadeur. Le positionne déjà. On lui promet un gars au Cameroun. Il décide de devenir acteur dans le film. On lui choque un peu de franc CFA avec une Guinness et le Bitacola. Il est devenu acteur. Ça, c'est Franklin.
ça, c'est Franca Yamsi. Parce que c'est pas ce qu'on peut donner à l'ambassadeur, gars. On va donner quoi l'argent? Le gars, il a les dons. Donc peut-être c'est un gars, le Mbitako là, et un peu de Guinness. C'est ça, on sait ce que ça donne. Toujours est-il, c'est que Franca Yamsi continue dans son délai. Il dit, il va porter plainte. Et voilà. Franca Yamsi lance le direct. Le direct du 16 avril 2020. Et Franck Nyamsi. Christophe Guillou. Et je voudrais en particulier attirer l'attention de toutes les Camerounaises, de tous les Camerounais, de tous les citoyens du Cameroun. Chers amis, je vous salue. Nous sommes le vendredi 8 mai 2020 au soir. Et je voudrais faire le point avec nos amis pétitionnaires. Voilà, il a déjà lancé sa pétition. De l'initiative de mobilisation pour le départ immédiat du Cameroun, de l'ambassadeur de France. Il veut chasser l'ambassadeur de France. Monsieur Christophe Thiou. Christophe Guillou. Guillou. Et je voudrais en particulier attirer l'attention de toutes les Camerounaises, de tous les Camerounais, de tous les citoyens. Passe un peu mon téléphone après. Sur un phénomène extraordinaire qui est en train de se dérouler et qui est en train de se dérouler à la barre de certains d'entre nous. Hier, j'avais de toute urgence publié une information sur ma page Facebook demandant à tout le monde de sauvegarder très rapidement une vidéo que je vous ai envoyée, la vidéo originelle de l'audience supposée du 16 avril. Ah, voilà. Donc, le gars dit... Monsieur Christophe, le gars dit... qu'il a la vidéo originelle. Donc, il a envoyé la vraie vidéo. Et à côté de cette vidéo, c'était le fake. Oui, ça, c'est notre professeur de philosophie qui est devenu un costaud réalisateur. Donc, lui, il a pu voir le trucage qu'il y avait dans cette vidéo. Donc, il continue avec une conviction absolue de croire que le président n'est pas. Ok. Hein? Ça, c'est... Ah ouais, oui. Ça, c'est très, très grave. C'est... On n'a pas coupé la vidéo. Je voulais juste récupérer un truc que le pasteur m'a envoyé. Merci, pasteur. Voilà. Donc, chers amis, on nous a interrompu tout à l'heure. Il faut qu'on revive la scène. Et qu'il n'y a en effet pas eu de rencontre officielle aujourd'hui au Palais de l'Unité à Yaoundé entre M. Paul Barthélémy Biya et l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guillou. Je vous confirme que je viens d'avoir les services officiels de l'ambassade de France au Cameroun. Je vous rappelle, citoyens français. Et j'ai donc obtenu l'information suivante. Les services de communication de l'ambassade de France au Cameroun m'ont informé, le service politique m'a informé qu'il n'y a aucune information de cette nature et que je pouvais vérifier sur le site de l'ambassade, vérifier que l'ambassade n'a publié aucune information de cette nature. Il s'agit, m'a-t-on dit très clairement, de fake news. Voilà. Et les donc, services de l'ambassade... Nous sommes encore là dans tout ça parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne. Je fais la chronologie de cette histoire pour que vous viviez, on puisse revivre l'incohérence, la stupidité et tout ce qui va avec, oui, ma photo, Fika, bonsoir, des talibans. On va vivre ça passo à passo. Et on va comprendre une chose. Quand les talibans sont en train de vociférer, de démontrer leur bêtise à Mondo Vision, Kamto est toujours en faux profil. Le gars, il est voir sur Facebook, mais le gars, il est à FP, en faux profil. Après, il viendra dans le direct d'un patriote, il dira, oh non, moi je ne les connais pas, moi je ne suis même jamais sur Facebook, je ne les connais pas. S'ils font quelque chose, on n'a qu'à les foutre en prison. Mais c'est lui qui les envoie, les avocats, quand même, pour les défendre. Parce que, quand... Serge était au tribunal avec ses frères.
Les gars de la base qui étaient au tribunal, eux, ils avaient les avocats envoyés par le MRC. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et quand on te dit qu'ils ne connaissent pas ces gars, et comment toi, tu peux ne pas connaître les gars, mais tu les scènes les avocats quand même. Comme toi, moi, si j'ai un pétard ici, là, s'il te plaît, scène-moi alors les avocats, pardon. Et les avocats, je vous comprends. Et le père. Oui, le pasteur, j'ai vu le truc sur WhatsApp, c'est ce que je vous ai demandé. Alors, ça, c'est le gars le plus intelligent du MRC. Parce que l'information de taille que nous... Et qu'il n'y a en effet pas eu de rencontre officielle aujourd'hui. Le gars le plus intelligent du MRC. Entre M. Paul Barthélémy Biya et l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guillou. Je vous confirme que je viens d'avoir les services officiels de l'ambassade de France au Cameroun. Je vous... C'est lui. Citoyen français. Oh. Et j'ai donc obtenu... C'est notre agrégé. Je me suis donc arrêté dans ce parc pour donner ce que je viens d'avoir avec les services de communication politique de l'ambassade de France au Cameroun. Pardon, je partagé. À votre disposition. Invitez-moi ce monsieur-ci, s'il vous plaît. Dans mon atanor, dans ma rampe de lancement. Je vous remercie. Rendez-vous tout à l'heure pour l'affichage de l'information, la bande audio. Voilà. Je vous remercie. Et il a affiché l'information. Ça, c'est un homme de parole. Non. Franklin Nyamsi War Cameroun, c'est un homme de parole, de conviction. Il est à fond dans son combat. Il affiche. Il a affiché et j'ai dit oui. Oui, le grand prof. Mais le problème, c'est que le gars a affiché la conversation où il parlait avec le gars de la guérite, mon frère. Un gars, quand tu l'entendais d'abord parler, un gars bêti, parce qu'il avait le timbre vocal des écandants à gorge. Le gars dit, oui, moi je ne connais rien. Je ne connais pas les choses de l'ambassadeur. Je ne connais pas. Donc, War Cameroun, le puissant War Cameroun, il ne s'est même pas rendu compte que dans l'ambassade de France au Cameroun, pour avoir l'information, même si c'est une fausse information, parle même de Céleste qu'avec le blanc, non, mon frère. Le gars s'en fichait. Son seul problème, c'était qu'on lui dise qu'on n'est pas au courant de l'histoire. Et qu'il court sur Facebook et écrit, je vous ai dit, les gars, je vous ai dit, ce sont des menteurs. Ils sont dans le fake. Ce n'était pas Paul Biya. Grave. Depuis que je regarde des choses, je n'ai jamais vu l'autre là. Comment on peut dire que ce n'est pas quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un? C'est, comment on peut le dire que ce n'est pas quelqu'un et pourtant c'est quelqu'un? C'est chaud. Hein? Donc, voilà. Moi-même, un temps là, j'étais à convaincu, mon frère. J'étais à convaincu parce qu'ils disaient, mais les gars, ils ont un truc que je ne vois pas. Ils ont un truc. Ils doivent avoir un truc. Que même un agrégé, Dieu. Donc même un agrégé, comme toi dis, dans son faux profil, le gars appelait Fogué, il a déjà Fogué, parle, appelle-moi Zozo, appelle Zozo, appelle Zonga, s'il te plaît. Appelle Zonga, vite. On appelle Zonga, Zozo est venu, tac. Après, Zonga, Fogué. Et quand tous se sont assis, ils ont parlé. Quand ils ont fini de parler, ils ont dit, oh, il manque quelqu'un. Il manque le Tchinda de Pendeko. Quand il a appelé le Tchinda, On a appelé le Tchinda. On dit au Tchinda que viens avec l'eau et les assiettes. C'est comme ça que le Tchinda de Pendeko arrive aussi. On informe le Tchinda. Hein? On informe le Tchinda. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, allô. Une seconde, hein. Faut pas vous arrêter. Continuez à passer au film. Oui, madame. Oui, madame. Oui. Oui, oui. Non, je n'ai pas mis le haut-parleur. Dis-moi. Oui, tu as vu le document. Oui, j'ai. Oui, je vais le lire. C'est notre personne qui vient de m'envoyer. Tu avais eu ça? Non, pas encore. Je guette alors. Je n'avais pas encore eu ça. Je n'avais pas encore eu le document en question. Hein? Je t'appelle alors après. Oui, il n'y a pas de souci.
Je t'appelle après. Oui. Ça, c'est super. Ça, c'est une bonne chose. À tout à l'heure. Oui, je dis, c'est une très bonne chose. À tout à l'heure. Oui, depuis. Merci. Oui, c'est super. Ok, toujours. Voilà. Entre-temps, Zozo est fougueux. Oh! Ouais. Eh, mes chers frères et sœurs, franchement, non. Oh, pardon. Attendez, je peux parler seul. République du Cameroun peut travailler par lettre de convocation. Dans le cadre de l'enquête en cours à la direction de la police judiciaire et suite aux instructions de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fundi contenu dans son soi transmis numéro 20 à 692-PPR-TGE-FMFDI-638 du 15 avril 2020, prescrivant l'ouverture d'une enquête minutieuse et approfondie relativement à l'appel à la générosité publique lancé par les responsables du programme humanitaire Suivi Cameroun. Monsieur Pendaye Koka Christian, président du management comité du programme humanitaire Suivi Cameroun, est invité à se présenter à la direction de la police judiciaire sous direction des enquêtes économiques et finances et financières 220 le vendredi 15 mai à 10 h précises pour être entendu. L'intéressé est informé de son droit d'être assisté par son conseil de choix. Ouais. Si Pendé Coca, c'était mon père. C'est que je te fais le taper. Là, je vous jure au nom de Dieu. Si c'était même mon grand frère, je devais le tabasser. Vous voyez quelqu'un qui meurt pour rien. Il meurt simplement parce qu'il est Tinda. C'est pas possible. Un homme qui a fréquenté comme ça et... On continue. Même convocation. Brrr, je vous ai lu la même chose. Monsieur Fogué Tendon Alain, trésorier national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est invité à se présenter à la direction de la police judiciaire sous direction des enquêtes économiques et financières porte 220. Le jeudi 14 mai 2020 à 10 h précises pour être entendu. L'intéressé est formé de son droit d'être assisté par un conseil. Oui, d'accord. Fougué, dans 2 jours, tu vas être à la police. Et Pendé Coca, dans 3 jours. Ça vient de tomber comme ça, mon frère. Ça, c'est le ndolé. Merde. C'est pas possible. Si on met les gars en prison, je vais encore faire comment? Et je vais encore me moquer même de qui? Pakamto. Attends, faut d'abord que mettre Pakamto vient nous sauver, dis donc. Attendez un peu. Là, non, il faut que j'appelle Pakamto. 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 Pakamto vient nous sauver. Musique. Ah. Non, ça s'impose. La musique, si s'impose. Non. Parce que si on fout mes gars, ils ont subi. On va encore se moquer de qui? Hein? Hein?
Ça, c'est même quel idiot qui nous a sorti au mauvais son comme ça, dis donc. Le Pacamto vient nous sauver là, même c'est quel son, même, dis donc. Oh, comment je n'ai pas trouvé le vrai son? Oh, en tout cas, je vais chercher le vrai son, dis donc. Oh, ah oui, peut-être c'est ça ici. Changement, changement, changement. Pacamto. Fogué, Témoin Alain, tu es convoqué. Tu es convoqué le 14 mai 2020. 2020, 2020, 2020. Le 14, le 14, le 14. Fogué. Oh, Fogué, Maurice Kamto, sauvez-nous par là, sauvez Fogué, Penda. Hein? Allez. Non, faut que je mette la vraie musique de ça, ça m'énerve, parce que quand le volume n'est pas bon comme ça, ça me dérange. Hein? Voilà, voilà. Oui, ta bestia. Les Penda. Penda et Coca. Et Penda et Coca. C'est le 15. Et c'est le 15. Et changement. Et Penda Coca. Et c'est le 15. Le 15. N'oublie pas. Porte 220. Police judiciaire. Et Kamto. Sauve-nous. Téléphone. Hey, Fogué, Alain. Et porte 220. Viens nous sauver. Sauvez-nous. Pacamto, sauve mes deux gars, s'il te plaît. Hey, Pacamto. Sauve mes deux gars. Sauve-moi, Penda et Coca. Hey, s'il te plaît. Hey, Pacamto dit va. Moi, je vais. Donc, Penda et Coca, comme toi dis, va. Va aussi, non? Toi, tu vas. C'est porte 220. Le 15 mai. Fogué, Alain. 14 mai, même porte. Moi, je vais. Comme toi dis, va. Moi, je vais, non? Comme toi dis, viens. Moi, je viens aussi. Dieu le Père tout puissant, en fait, je ne savais pas que je devais tomber. Je ne savais pas que c'est comme ça que je devais faire, mon frère. Je ne savais pas que je devais tomber sur ça. Ouais. Mettons ça comme plat de résistance, s'il vous plaît. Pardon. C'est à la fin. Mais Dieu, le gars, ils m'ont changé le direct. Non, je reviens avec mon direct. Ça, c'est à la fin. On va prendre ça maintenant, c'est à la fin. Continue d'avoir une autre fille. Merde. Yeah. Non, je suis obligé de mettre ça. Non. Ça dérange. Hein? Ça. Je suis obligé. Non. Avant de continuer notre direct, il faut d'abord qu'on se mette dans les contextes même d'abord de ce qui va arriver. Pardon, bipez-moi un peu Penda et Coca là et Fogué. Oh, Black Rogers. Ça, c'est du bikoussi, mon frère. Non. Ça, c'est pour reprendre l'inspiration. Partagez le direct s'il vous plaît parce que Penda et Coca doit entendre la musique. Attention Kondengue. La musique c'est le titre de la musique, c'est Attention Kondengue. Porte 220 mon frère. Porte 220 police judiciaire. Yes Tara.
Madibo. Porte 220 police judiciaire. Penda Ekoka et Fogué Alain. Penda Ekoka Christian Fogué Alain. Fogué Alain Temo. Oh. Je suis obligé d'amener ma chanson jusqu'au moment où. Yambe yambe oh ah ah ah. Manatingo. C'est pas possible. Ça c'est terrible, c'est triste. Je vous avais dit que les gars s'étaient téléchargés le truc. Maître Chimba ne peut descendre les défendre. Hein? Pourquoi pas? Allez, continuons. Black Roger, ça t'arrête pas à ce niveau-là. Tu dois aller jusqu'au fond. Merde, le gars, il connaît Konengi. Dieu tout puissant. Je savais pas que c'est comme ça que le Dieu devait aller. Non. J'étais obligé d'écouter Black Rogers. Là, les gars m'ont poussé à écouter Black Rogers. Je ne peux ne pas écouter Black Rogers. Je dis que les talibans sont en train de mourir. Dis donc. C'est chaud, hein? C'est chaud vivant. Merde. Continuons. On va finir avec Black Rogers plus tard. Ouais, vous mettez des têtes de mort pourquoi, dis donc. Vous savez bien et bien que les têtes de mort vous permettent seulement que je me permette à vous bloquer. Rien de plus, rien de moins. Vous ne pouvez pas bloquer mon direct. Je vous ai dit ça 1001 fois, 275 millions de fois. Vous ne pouvez pas. Alors je vous bloque d'abord, one by one. Yam, eyé. Dont les talibans ont envoyé que les femmes maintenant me mettent les têtes de mort. Est-ce que je suis alors le frère de Black Rogers? Ce n'est pas moi qui ai chanté, c'est Black Rogers. Et c'est pas moi qui ai invité Penda Ekoka et Alain Fougué. C'est la police. Voilà. Continuons avec notre film. Continuons. Ça, c'est un film parallèle. Ça, c'est le film de suivi Cameroun. Il faut bien comprendre. Ça, c'est le film de suivi Cameroun. Mais continuons avec notre vrai film. Voilà que notre professeur agrégé lance l'initiative des signatures avec pour objectif destituer l'ambassadeur. J'ai dit, avec pour objectif destituer l'ambassadeur. Mes chers frères et sœurs, continuons dans notre film. Je vais sur Twitter. Je vais dans mon Twitter. Je regarde le tweet de l'ambassadeur. Voilà comment l'ambassadeur... Comment ça s'appelle encore là? Giron. Voilà, c'est. Il ne tweet pas beaucoup, donc je vais rapidement trouver son tweet là. L'ambassadeur partage d'abord le tweet qu'il était reçu par le président. Les gars disent, oh non, comment l'ambassadeur lui-même n'a pas tweeté? Il n'a que partagé le tweet que la présidente de la République a tweeté. Ce n'est pas possible, ça veut dire que c'est très faux. Ce n'est même pas bien. On va sauf que signer, dont les Camerounais vont signer pour que Macron chasse son ambassadeur. Ça, c'était un film de guerre que moi, je ne comprenais pas. Mais on a dit, bon, on reste calme, on regarde jusqu'à quel niveau le film de guerre là est là. En quelques jours, il y avait plus de 25 000 signatures. Les talibans créaient au moins 5-6 comptes. Chacun signait, il signait. Ils disent non, signez. Vous savez que quand les gars doivent tontiner, ils font une campagne pour tontiner violente seulement. Quand ce sont les signatures, signez. Quand c'est suivi Cameroun, tontiner. Il y a même une fille là qu'on appelle Twins. Man, la fille là, j'ai l'impression que c'est un vampire, mon Dieu. Tu te lèves,
Tu vas, tu te lèves comme ça, tac, le matin, tu es en train de te débarbouiller pour aller au travail. À 7h, l'anga est en direct, mon frère. Ton tiné est en train de danser. Tu dis, hey, la drogue ici n'est pas bien, mon frère. D'où est-il? On reste calme. Les gars disent que non, ils vont envoyer les lettres. Ils envoient les lettres. Est-ce que nous, on savait alors que dans les barbacs, oh, Serge. Oui, allô, Serge. Allô. Oui, c'est comment? Oui, Serge. Tu veux venir? Non, je vais te... Comme Kiki de Paris. Oui, je te mets en direct alors. Mais attends, il faut qu'on raconte d'abord le film normalement, jusqu'à ce qu'on finisse avec l'histoire de la lettre du Kélancé. Petit à petit. On ne s'embrouille pas, n'est-ce pas? Oui. Non, mais ça, c'est la fin. Toi, tu arrives déjà là. Non, Serge, comment tu peux arriver à la conclusion comme ça? Calme-toi d'abord. Ouais, c'est la conclusion. Hein? Oui, je t'appelle. Voilà. On va appeler Serge pour la conclusion. Serge lui réfute. Oh, le gars, voilà pourquoi c'est pas souvent bien de parler avec les ingénieurs, mon frère. Le gars lui veut vite aller dans les... Allons, piano. Pendant que nous sommes en train de bagarrer nos histoires sur Facebook, où je fais les directs, Serge fait les directs, les juniors, tous les patriotes font les directs, les Laurent Béhéné, on clash les gars, on les fait comprendre que le président de la République est là, on les allume à gauche, à droite. Niamsi est là, il esquive les balles. Ils appellent même Jiang Sangman. Bonsoir. Ils ont appelé Jiang Sangman au secours. Nous, on a appelé Guylaine Chapuis au secours. Le combat était chaud. Mais est-ce que non, ça va alors que Kamto était en faux profil sur Facebook? On ne savait pas. Est-ce que non, ça va alors que notre type Kamto avait rédigé la lettre au Quai d'Orsay? On ne savait pas. Le gars a fait les choses dans le noir. Il a rédigé la lettre au Quai d'Orsay là pour les faire comprendre que gars, Niamsi a dit que... Non, Kamwa la Panthère a dit dans son direct à 23h que Biya était mort. On a cru. Ils ne nous ont pas prouvé. J'ai rédigé la vacance de pouvoir. Hein? J'ai rédigé une correspondance à l'Assemblée nationale pour la vacance de pouvoir. Mais l'Assemblée nationale ne m'a pas, le président de l'Assemblée nationale ne m'a pas répondu. Donc maintenant, j'ai rédigé une autre lettre à l'ambassadeur. L'ambassadeur ne m'a pas répondu. Voilà pourquoi je rédige maintenant la lettre au Quai d'Orsay directement. Et il a donné la lettre à Marc Seigneur Ivoire. C'est Marc Seigneur Ivoire qui allait mettre la lettre là à la poste pour que ça arrive chez Macron. Et pendant ce temps, Marc était accompagné par le meilleur ami de Macron qu'on appelle Calibri Calibro. C'est ça la vérité. Je suis en train de vous raconter le film comme ça s'est passé. Ne croyez pas que moi je suis un menteur. Moi je raconte seulement le film comme ça se passe. Et vous allez voir que quand Serge viendra là, il va vous dire la même chose. Donc, Moïse Kamto envoie la lettre, parce que ça doit être signé et tout le reste, hein, voilà. Oh, je suis désolé pour toi, Ismaël, on va voir ça après. Je disais ceci, bonsoir Denis. Moïse Kamto envoie la lettre par DHL. La lettre tombe, attends, non c'est là j'ai un problème. Serge, j'ai un petit problème là. Le problème, je suppose, c'est que Marx n'a pas d'adresse. Comment la lettre pouvait tomber chez Marx s'il n'avait pas l'adresse? Calibri non plus n'a pas d'adresse. Mais il a envoyé la lettre par DHL. C'est tombé chez... Ah oui! C'est tombé chez Wanto. Chez Wanto. Wanto a l'adresse. Donc, la lettre tombe chez Wanto. Wanto prend la lettre. Comme il ne connaît pas bien... comment ça s'appelle? Il ne connaît pas bien Macron. Il appelle Calibri. Il dit à Calibri que Calibri, c'est toi qui connais Macron. Donc, du coup, cette lettre-ci, c'est la lettre que le président Zelou a envoyée pour déposer chez son homologue Macron.
en passant par toi, qui est son envoyé spécial. Alors, mais l'envoyé spécial disait que il ne peut pas aller voir Macron sans aller avec un diplomate. C'est comme ça qu'on appelle alors Marseillon Ivoire, qui est le consul du Cameroun ici en France. Bonsoir Marie Borel. Il faut bien vous asseoir. Prenez les pop-corns. Prenez les pop-corns parce que quand je raconte un film comme ça, vous croyez que c'est la rigolade, mais ce n'est pas la rigolade. Je suis sérieux. Donc, Calibri, envoyé spécial, représentant de la diaspora, avec Marc Seignon Ivoire, ambassadeur du Cameroun, donc consul du Cameroun à Paris. Les deux mélangés sont allés avec la correspondance de Maurice Kamto au Quai d'Orsay, avec la bénédiction de Kamwala Panthéon, le policier, qui les escortait bel et bien. Parce qu'il faut comprendre que quand un diplomate et un puissant représentant du peuple s'en vont au Quai d'Orsay, ils ne peuvent pas seulement prendre le taxi. Ils ont souvent tout ce que vous imaginez là, dont le garde du corps, il y avait le costaud, là, le gros, là, le laid, là, le moche là. Voilà, il y avait un policier comme moi, il y avait un garde du corps, garde rapproché, et tous sont allés chez Macron. Voilà que Macron reçoit la lettre, parce que quand même, si c'est Calibri qui amène la lettre chez Macron, comment Macron ne va pas s'arrêter pour recevoir la lettre? Ah, hein? Et en plus, vous vous souvenez que Marcelo Ivoire est quand même allé déposer ses crédentials là-bas chez Macron en se présentant comme étant l'ambassadeur quand même. Vous savez, voilà. Mais nous étions là, on continue à bagarrer sur Facebook. On ne savait pas que les gars sont en train de traficoter les choses. Hein? Même tout, je dis tous les patrons, même le commissaire n'a pas su. Commissaire, oh, tu nous as trompés sur notre coup là, frère. Nous sommes quand même convaincus que tu es notre policier. Donc quand il y a quelque chose, c'est toi qui vois ça avant, le gars n'a pas vu. Nous étions distraits, les gars là nous étions distraits. Personne n'a vu l'histoire. Hein? Même les jeunes là, tous les gars, tous les patriotes que vous avez vus sur les photos là, personne n'a vu. Donc nous étions convaincus que le combat était un combat avec Franklin Nyamsi, Jiang Sangman et tout le reste. Et pourtant, le grand staff, les gars avaient sorti l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. Kamto a expliqué comment, en se référant sur la vidéo de Warman Cameroun, l'agrégé, il a expliqué comment ça pouvait être un trucage. Il a expliqué comment la démarche du chef de l'État, ce n'est pas sa démarche habituelle. Il a expliqué comment le chef de l'État a refusé de serrer la main à l'ambassadeur et pourtant c'était le corona. Ça, c'était quand même un peu bizarre. Bon, je dis, ils ont photocopié les 30 000 signatures. Ils ont donné ça à Max. Notre ambassadeur Max est allé au Quai d'Orsay avec Calibri. Voilà comment le Quai d'Orsay reçoit la lettre. Le Quai d'Orsay étudie minutieusement la lettre. Parce que quand même, c'est le président Zelou qui envoie. Ça peut être un costaud truc d'antiterrorisme. Il faut bien comprendre, hein, parce que vous négligez Kamto, mon frère. Moi, je ne néglige pas. Moi, je vous dis, c'est quand même notre président de Facebook. Hein, parce que quand ça arrive souvent comme ça, je vois les gars, ils s'en fichent, ils rient, quoique ce n'est c'est personne et tout le reste. Gars, il faut quand même réfléchir et comprendre que c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Vous vous souvenez? Voilà que on reçoit le truc. Ils réfléchissent, disaient que, comment on va même répondre à ce monsieur si on ne sait pas. Ils réfléchissent, ils disaient que, comment on va faire avec le PSI. C'est là où ils disent aux gars que, ils envoient alors une lettre au président Zelou. À Maurice Kamto, le président Zelou de Facebook. Hein? Ils disent, voilà,
Ministère de... Bon, ils ont d'abord envoyé ça, machin. Ils ont tellement étudié. Après, ils ont dit, on envoie ça dans quel bureau? Et on a dit, OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On a envoyé ça à la direction Afrique. Non? Direction d'Afrique et de l'océan Indien. Imaginez-vous le genre de bureau important qu'on a envoyé ça dans le Quai d'Orsay. C'est comme ça que le 29 avril 2020, le directeur de ce bureau, il écrit, monsieur, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a bien reçu votre courrier en date du 18 avril. Imaginez-vous que Wa Cameroun, vous vous souvenez, le gars a fait son... C'est même où là? Voilà. Il a fait son direct audience. Le direct, si. C'était le 16 avril 2020. Wa Cameroun, le 2020, ma seigneur Ivoire et Calibri sont en train de déposer la lettre. Imaginez-vous comment les talibans sont organisés. Ils sont vraiment très forts. C'est comme ça que le ministre dit, en date du 18 avril, à propos de la situation politique dans votre pays et de l'audience que le président de la République du Cameroun a accordée à l'ambassadeur de France à Yaoundé le jeudi 16 avril 2020. Il m'a chargé de vous répondre. Bam! Voilà la première gifle d'âme. Non, mais attends. Les Français sont méchants. Hein? Les Français, oui, j'accepte que j'ai la grosse, mais les Français sont méchants. Donc, dans la première phrase du texte, d'abord, gifle notre président. Bam! Hey! Comment les Français disent le président de la République? Ok. Donc, Maurice Kamto, pas Kamto, n'est pas le président. Pas quand on prend celui dit je suis habitué. J'accepte, mais sur Facebook, on me dit quand même que je suis son président. Voilà. S'il vous plaît, continuons. Il m'a chargé de vous répondre. Monsieur Christophe Giroud, a sollicité, conformément aux instructions qu'il a reçues, une audience au président Biya. Ton, 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 ton. Attends, faut d'abord que je mette. S'il vous plaît. Donnez-moi une seconde, et c'est très important ce que je dois faire là. Parce que si on ne met pas ça, risque ne pas de... Oh, une seconde, parce que là, ça, c'est la publicité. Voilà. Je vais mettre la musique là pendant que je suis en train de lire. Parce que c'est très important. Parce qu'il faut bien comprendre. Allez, je mets. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a bien reçu votre courrier en date du 18 avril à propos de la situation politique dans votre pays. Et de l'audience que le président de la République du Cameroun a accordée à l'ambassadeur de France à Yaoundé. Le jeudi... C'est vous répondre. Monsieur Guillaume a sollicité conformément aux instructions qu'il a reçues une audience au président Biya pour assurer le suivi de l'entretien téléphonique que le Cameroun et Camerounais ont eu le 1er mars dernier. Tac! On s'arrête d'abord là, le film western continue. Parler à Pobia. Macron est aussi un acteur. Parce que si Giroud est un acteur,
Paul Biya, un acteur. Ça veut dire que Macron est un acteur et le ministère du bureau des affaires et le directeur du bureau Afrique d'Afrique et de l'océan Indien, c'est aussi un acteur. Mais pas quand on se retrouve entouré des acteurs. Il ne sait plus à qui faire confiance. Il n'a plus le numéro de Nganan. Nganan a changé le téléphone. Il n'a plus le numéro de Peck. Peck a changé le téléphone. Il ne sait plus à qui faire confiance. Pendant ce temps, mes chers frères et sœurs, la musique continue. Pas quand tu réfléchis. Il appelle Marc Seigneur Ivoire. Marc ne décroche pas. Il appelle Wanto. Wanto ne décroche pas. Tu vas entendre le Narcisse Baga. Décrocher le coup de fil de Narcisse Baga. Il a compris que c'est sa seule façon de pouvoir parler. S'il ne parle pas vite, il est fini. Parce que là maintenant, le gars se retrouve que le gars est rejeté par tout le monde. On l'a rejeté à gauche. On l'a rejeté à droite. Propre camp. À côté, il n'y a que des acteurs. C'est là où le gars, il prend, il fait comprendre à Narcisse Baga comme Mouraoua. Mieux, on a fermé tous les gars de la base. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand tu as demandé qu'on a fermé les gars de la base, vous pouvez trahi par Marc Seigneur Ivoire et par Calibri Calibro qui ont refusé de récupérer son coup de fil quand il est déçu par la lettre. On continue à lire le courrier. Je ne peux pas lire le courrier de mon frère. Parce que, vous savez pourquoi je mets la musique des Western? Ça doit pas vous étonner. Hein. Je mets la musique des Western parce qu'ils ont décidé de nous mettre dans un film. Là, on défend les institutions, nous sommes sérieux. Le président de la République reçoit son homologue comme l'a fait mille et une fois. Eux, ils nous ont dit que c'est un film. Donc maintenant, on continue dans le film. Et un film ne peut pas être un bon film hollywoodien si ce n'est pas accompagné par la musique des westerns. Donc je continue. Alors, il dit, voilà, je répète, Monsieur Christophe Guillou a sollicité, conformément aux instructions qu'il a reçues, une audience au président Biya pour assurer le suivi de l'entretien téléphonique que le chef de l'État français et camerounais ont eu le 1er mars dernier. Vous connaissez le contexte de cet entretien et l'importance que le président Macron accorde au suivi des échanges qu'il a pu avoir avec le président Biya. Cette mission est au cœur des activités de toute l'ambassade. De tels entretiens lui sont par ailleurs régulièrement accordés par le chef de l'État en sa qualité de représentant à Yaoundé du pays qui entretient avec le Cameroun des liens d'amitié forts et anciens. Vous comprenez, le suspense au monde, à l'instar d'autres visiteurs, et comme il a fait par le passé, à l'issue de chacune des audiences qui lui ont été accordées. L'ambassadeur de France a répondu aux questions de la presse accessible. Monsieur Christophe Guillou a donc agi à la demande des autorités françaises, en conformité avec les usages diplomatiques et dans le strict respect de la souveraineté du peuple et de l'État du Cameroun. Bah! Mon Dieu! Vous avez vécu le suspense avec moi. La chair de poule même est venue sur moi comme ça. Il faut que j'appelle Vicé Jadango. Mais deux, Serge Paron vient me sauver ici, là. J'ai même la chair de poule sur le corps, mon chip. Ça, c'est très, très, très... Ça, c'est très grave. Le film-là est violent. Hein? Le film est très, très violent. Hein? Mais j'aime bien la chaîne. Vous avez suivi le suspense? Serge.
Il convient de rappeler qu'en date du 16 avril 2020, le chef de l'État camerounais, Son Excellence Paul Biya, a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilou. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.